Biarritz, le 21 avril 2020. Ma chère Greta, ma chérie, je suis un vieil homme à présent. Ne crains rien, tu es loin. Je peux te donner du ma chérie sans que ton père ne cherche à m'étrangler. C'est bien qu'il veille sur toi, qu'il traverse l'océan en bateau pour t'accompagner. J'en serais malade s'il t'arrivait quelque chose. La nuit viendrait. C'est pas le moment. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est juste une mauvaise plaisanterie que nous vivons. Comme de marcher dans du miel et en foutre partout sous ses semelles. Au-delà des images, il y a une drôle d'odeur. Je devrais pas la sentir à mon âge. Je devrais perdre l'odorat, mais je ne respire que ça. Ce doux parfum de pourriture, j'en perçois toutes les saveurs. Pandemic is not for sissies. Heureusement que t'es là. C'est quand même drôle ce qu'une bande de connards a pu dire sur toi. J'ai halluciné, ils me dégoûtent. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces gens-là? Comment font-ils pour se maintenir en vie? Ils sont écœurants, n'est-ce pas? Ils donnent envie de changer de trottoir, de respecter les distances pour une fois. Je suis désolé pour eux, ils se sont allongés dans leur tombe et se sont eux-mêmes couverts de terre, tout confit d'orgueil. On n'y peut rien, on ne discute pas avec des zombies. Les gens ne s'arrangent pas en vieillissant, c'est une vraie tragédie. J'aime ton sourire, tu es plus belle que le ciel et la mer. Dommage que Sandrard ait trouvé ça avant moi. Lis Sandrard, c'est la meilleure chose à faire pendant le confinement. Et puis sur la route, bien sûr. Et quelques poèmes de Walt Whitman avant de t'endormir. Ton sourire me fait du bien, je suis touchée par ta beauté. Tu as une beauté apaisante. J'emporterai ta photo avec moi quand j'irai en EHPAD. Je te soutiens à 100% dans ton combat, mais j'aime tes yeux aussi et tes nattes. Je viens de terminer un roman où je parle de toi. Sauf que tu as la trentaine et qu'on y boit du vin importé du nord de la Suède. Je voyais aussi Naomi Klein en l'écrivant. C'était pas toujours très gai comme roman, mais tu restais dans les parages. Et elle aussi. Et ça m'aidait. Je me sentais en bonne compagnie. Ce visage de madone que tu as. C'est aussi ça qui les emmerde. Cette partie qu'ils ont perdue d'avance. Ces ténèbres vers lesquelles ils glissent, quoi qu'ils dégoisent. Je te l'enverrai quand les postes remarcheront. On m'a demandé de tenir un journal de confinement. Mais pourquoi on ne demande pas ça à un type qui dort dans la rue si on veut savoir comment ça se passe? On voit bien que ce monde doit changer. Les choses deviennent trop absurdes au bout d'un moment. Rien ne me convient. Aucun parti, aucune figure. Je me suis réveillé un soir et tu passais à la télé. Et avant même de savoir qui tu étais, je me suis levé et je me suis approché de l'écran pour te voir de plus près. Je pensais que tu portais un masque de porcelaine. Enfin bref, voilà. Cette lettre, voilà, ma chérie, fais-en ce que tu veux. PH, Philippe Dion.